Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur RetroLove TV. Alors aujourd'hui, à la demande d'abonnés, je vous présente un petit build de guerrier. Et vous allez être contents, parce que les amis, c'est un build intelligence. Donc je vous rappelle, les builds intelligence, ce sont des builds où vous pouvez jouer votre classe en étant avec un... Enfin, vous pouvez carrément jouer la classe avec un cerveau lobotomisé, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Donc c'est un petit peu une spé de planqué parce que c'est une spé au fusil, donc en armure lourde et à distance. Alors, on utilise tout d'abord le fusil, d'accord, principalement pour son 3 qui fait énormément de dégâts et son F1 qui fait aussi énormément de dégâts. On utilise, pour être subtil, 1, 2, 3, 4, 5 sauts, comme ça il n'y a pas besoin de trop réfléchir, vos sauts ont un effet passif tout seul, donc le saut de soin... Le saut qui réduit les dégâts, le saut qui augmente la précision, et le saut qui augmente la puissance, et le saut qui monte l'adrénaline. J'ai choisi ça pour faire un petit peu le troll, on est d'accord, mais il y a quand même son intérêt, vous allez le voir dans le template tout à l'heure. Et en switch, on utilise la hache parce qu'elle fait énormément de dégâts avec son F1, et le bouclier qui va nous donner un minimum de contrôle et de survie. Alors, les runes. Alors les runes, j'utilise tout simplement la rune d'érudit qui monte la puissance et les dégâts critiques. Et en sixième, j'utilise la rune de divinité. J'utilise l'amulette berserker qui monte puissance, précision, dégâts critiques, vitalité. Et sur les cachets, donc cachet d'air, cachet de feu et cachet de feu, parce que nous sommes des poètes. Donc ce qui fait qu'on arrive à 2200 de puissance, 2100 de précision... donc 63% de chance de coup critique, ça fait très mal. 1300 de robustesse, c'est pas excellent. Bon, voilà. Ensuite, et 21 000 PV. Donc, comment le build est fait? On augmente l'adrénaline, augmente les dégâts en fonction de l'adrénaline. Donc, plus vous avez d'adrénaline, plus vous faites mal. Ensuite, on gagne 40 en précision pour chaque saut équipé non utilisé. Donc, on gagne 40, 40, 40, 40, 40. Voilà. Donc, beaucoup de précision en plus. Les tirs de fusil sont perforants et se rechargent plus vite, donc très bien vu qu'on utilise le fusil. Et les coups critiques restaurent de l'adrénaline, l'adrénaline qui nous permet de taper plus fort, vous allez le voir ici, d'augmenter les critiques et de nous régénérer. Donc très bien l'adrénaline. Donc l'adrénaline on en gagne quand on est touché grâce à celui-ci. Et plus 90% de robustesse et les compétences de bouclier se rechargent 20% plus vite. Ça peut être bien de l'avoir. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez 2% de chance d'effectuer un coup critique pour chaque palier d'adrénaline. Voilà, donc en gros, le fait d'avoir mis, ce point-là, par exemple, et d'avoir tous les sauts, ça nous permet de pouvoir utiliser une rune qui nous augmente la puissance et non la précision. Et même en augmentant la puissance à blinde, vous voyez qu'on a quand même 63% de chance de faire un coup critique. Donc, comment marche le build? Alors, vous vous mettez à l'écart du combat, vous tirez comme un gros planqué et vous allez voir que vous allez faire des gros dégâts. Par contre, alors le point faible du build, c'est si vous avez une infériorité numérique, vous êtes mort. Vous verrez, je vais essayer de vous faire 2 BG là. Ça peut autant très bien se passer si je me fais pas trop cibler. Par contre, dès que je vais me faire cibler par plusieurs personnes, je dis pas s'il y en a une. Hein. S'il y en a une, c'est bon, je vais pouvoir gérer. Par contre, s'il y en a deux, à moins qu'ils soient vraiment mauvais, et ben je vais y rester. Donc, à tout de suite en BG. Alors, nous voici en BG avec notre guerrier intelligence. Alors, je vais... Le but du jeu avec ce build-là, c'est de rester beaucoup comme ça, planqué dans les hauteurs et à l'abri des coups que vous pourriez recevoir. Mais moi, je peux pas faire ça. Alors, il faut absolument que j'aille un petit peu dans la baston, sinon moi, je vais vraiment m'emmerder. Et vous aussi, vous allez vous emmerder, les amis. Alors regardez, des petits 5000 comme ça, à distance, sans trop réfléchir. Principalement, je fais le 1 et le 3. De temps en temps, je fais le F1 quand mon adrénaline est à fond. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, en fait. Hein, il n'y a vraiment pas besoin de faire autre chose. Quand il y a le mec un petit peu trop près au corps à corps, eh bien, vous faites le 5. Mais ça suffit, regardez. Parce que bah, vous enlevez des 5000 en instant, à distance et en armure lourde. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Pas besoin du tout de faire autre chose même. Donc on continue, voilà, je continue de frapper de loin, toujours pareil. Tac, petit 5000.
C'est quasiment inesquivable. Hein. Si votre cast passe à fond, c'est quasiment inesquivable. Donc là, du coup, je passe à la hache. Comme ça, ça varie un petit peu le gameplay. Histoire que vos cerveaux lobotomisés par le fusil puissent avoir de nouveau un petit élan de gameplay malin. Ouh, ils sont beaucoup. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a de la fériorité numérique, hein, même 2, ça suffit. Ah bah, je me relève tout de suite, très bien. Même 2, hein, ça suffit largement à ce que vous creviez. Hein. Y a pas besoin d'être plus. Bon bah là, je me fais buter, forcément, ils étaient beaucoup. Ah, il m'achève pas, je peux pouvoir me relever. Ah si, ah non, il m'achève pas. Alors, je me relève, voilà, allez, est-ce qu'on peut le tuer? Il prend quand même cher. Je le bouge, je lui mets le F1. Ah! J'ai bougé juste au dernier moment, ça se trouve? Ah, c'est peut-être ça, allez. L'éviscération de l'hache, le F1, attention. Ouais, 4000. Ah bah non, bah je l'ai pas tué. Dommage! Ça aurait pu faire un super beau petit. Une super belle petite action de jeu. J'aurais pu avoir l'air classe jusqu'au bout. Mais du coup, eh bien non. Donc je vous préviens tout de suite, hein, je vais mourir beaucoup, hein, je pense, pendant CBG. J'ai pas du tout un build qui me permet de résister. Surtout que là, j'étais pas à côté de mes alliés. Donc, il faut vraiment que vous jouiez avec vos potes. Hein, quand vous jouez ce build-là, vous jouez pas tout seul, ça sert à rien. Allez toujours là où il y a de la masse. Mettez-vous un peu loin des combats. Et bastonnez au maximum en prenant le moins de risques possible. Ah, ça fait un peu chochotte de dire ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est là que vous serez efficace, c'est là que vous pourrez aider. Un gardien, alors le gardien il résiste bien. Tac, 6900 dans le gardien, voilà, il doit être content d'être un tank. Pour se prendre des 6900 par une armure lourde à distance. Ah, mince, dommage, je voulais linger mais j'ai pas réussi à le... Donc lui, voilà, je l'assomme. Ah, il était sous stab, pas de chance. Le blocage, j'essaie de me barrer. Voilà, le 3 du fusil, la salve. Oh, 6900, encore une fois. Eh bien. C'est vrai que c'est fort, c'est vrai que c'est vraiment très fort. Je peux comprendre pourquoi il y a des planqués qui jouent au fusil, hein. Franchement. Quand on voit les dégâts monstrueux que ça fait. Puis voilà, là, en plus on est en petit Azura, on est discret, ça paye pas de mine comme ça et on se rend pas trop compte parce qu'on est loin. On est loin de la zone. C'est moins, on va dire que ça fait moins flipper qu'un guerrier sans lame par exemple. Parce que le guerrier sans lame on le voit nous arriver dessus que là, nous on voit clairement pas quand j'arrive sur les ennemis. Ah bah c'est fini. Bon bah je vais vous faire un deuxième petit BG parce que bon bah là un seul, je pense que vous allez rester sur votre faim. Je suis étonné, je suis pas trop mort, je pensais que j'allais plus mourir que ça. Bon bah on va dire tant mieux, hein. Parce que c'est vrai que je m'attendais vraiment à être quasiment toute la partie par terre. Bon je dis ça, c'est peut-être ce qui va arriver pour la deuxième partie, hein. Je me fais pas trop d'illusions. Voilà, alors deuxième BG. Alors cette map là, je vais vous montrer ce que font tous les planqués. Donc si vous jouez vraiment l'aspect intelligent jusqu'au bout, vous allez faire ça pendant toute la partie. Vous restez là, vous pouvez même aller sur le palier du dessus. Et je vais vous montrer, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Vous allez voir comment fonctionne l'aspect intelligence. L'ennemi tient désormais le temple. Ah bah très bien, un gardien. Donc voilà, je reste là, je suis à portée. Je lui mets des grosses claques dans sa tronche. De loin. Regardez, tac, voilà, voilà, et voilà. Comment faire le planqué en armure lourde sans prendre aucun risque. Donc ça, ce que je viens de faire là, c'est ce qui a le don de m'énerver le plus possible dans cette map. C'est pour ça que je vous montre comment faire si vous voulez vous amuser 5 minutes, mais je ne vais pas le faire pendant la partie parce que ça m'énerve. Voilà, quand on me le fait. L'ennemi a pris l'hôtel. Voilà, je capture gentiment. On a les deux bonus de kill, là, ceux qui sont sur les côtés. Ça nous rapporte un peu plus de points à chaque fois qu'on tue quelqu'un. C'est plutôt bien de l'avoir.
Alors, qu'est-ce que c'est? Un nécro. Allez, nécro. Armure légère, ça va être marrant. Je le pousse avec le 5 du fusil, vous avez vu là. Attention. Ah, attention, il va faire mal celui-là. Oh! 11 000! Eh oui, les amis! Une armure lourde à distance qui met un 11K, c'est normal. Ça fait des. Ça, franchement, moi, ça m'aurait dégoûté, quoi. Ça m'aurait vraiment dégoûté de me prendre un 11K comme je viens de lui mettre là, quoi. Le mec, ça se trouve, il s'est cassé les couilles à faire un super build sur son nécro, machin, et il s'est dit, cool, j'ai fait un truc intelligent, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose de sympa. Et là, bah, le premier débile qui lui met un F1 au fusil de loin, qui lui met 11 000. Voilà. Voilà comment ruiner les espoirs d'un joueur. Bon, bah voilà, là je me suis fait buter, je me suis fait courser. Il y avait deux personnes, vous avez vu que je peux pas trop résister. Dommage, hein, c'est le point faible du build. J'espère que je vais pas trop mourir parce que ça casse un petit peu le rythme de la vidéo. Mais c'est comme ça, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Quand je vous filme des BG, je ne trie pas. Je prends les deux premiers qui viennent, je démarre le logiciel, je prends les deux premiers BG qui viennent. Et je vous mets ça tel qu'ils sont, sans couper, à part quand il y a vraiment des gros lags. Donc voilà, ça vous montre un petit peu la réalité de la chose, hein. Même quand je suis dans la difficulté, je pense que ça peut aussi être utile de voir comment on gère la difficulté avec ce genre de classe. Même si là, je ne sais pas trop comment vous montrer comment gérer la difficulté, parce que je ne peux pas vraiment la gérer. Vaut mieux que 7800. Il est content d'être venu, lui. Je pense que. Bah, je sais plus ce que je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vais essayer de broder sur autre chose. Donc, ah si, bon, je me rappelle. La difficulté, je peux pas trop la gérer, là, à part en switchant bouclier, j'ai très peu de moyens de contrôler mes cibles. Donc, en gros, c'est soit je les tue, soit ils me tuent. Voilà. Ah, alors, le guerrier de tout à l'heure, on va essayer de lui rentrer dedans encore. Oh, dommage. La résistance et la douleur, j'ai vu trop tard. Et tac, 6600, encore une fois. Remarquez que je tape rarement en dessous de 5000 hein, quand je fais le F1, à part quand il n'est pas chargé à fond. Même d'ailleurs avec le 3 là, hein, le 3 regardez, il a tapé à 6000 encore le Nécro, 7000 maintenant, oh là là. Nécro, si tu regardes cette vidéo, je suis franchement désolé, hein, je joue un truc que je déteste me prendre. Je compatis à ta douleur, vraiment. Donc on va caper. Le temple est à vous. Il y a un nouveau bonus à saisir. Alors, le guerrier. Ah, encore le nécro de tout à l'heure, dis donc. Oh, 10 000! 10 000, les amis! Alors, est-ce que je vais arriver à le tuer? Normalement, oui. Si je suis tout seul, je devrais y arriver. Facile, enfin, si, il est tout seul, je veux dire. Ulcération. Oui, il se la prend. 5800. Il résiste bien quand même. L'ennemi tient là. Ah, il est en élite. Il est en élite. Donc là, eh ben, il prend pas trop. Dommage. Allez, le F1, si j'y arrive. Ouais, 7000. Ouais. Il va crever. Il va crever. Et non, il y a un mec derrière moi. Deux mecs derrière moi. Je suis dégoûté. J'allais presque le buter, le nécro. Et eh ben, je suis obligé de me barrer comme un lâche, que je suis d'ailleurs. Waouh, bah j'ai quand même réussi à m'enfuir. Je suis épaté de mon échappée là. Ah, l'envoûte, l'envoûte, il va me mettre cher. Il va... Et voilà, j'en étais sûr. C'était obligé. Quand un envoûte il vous fonce dessus comme ça au corps à corps, il faut vraiment vous faire une esquive parce que il fait ça pour venir exploser sur vous parce qu'il peut sa capacité d'explosion fonctionne aussi sur lui. Donc il se met au corps à corps pour exploser sur votre gueule. Donc quand vous voyez un envoûte qui vous fonce dessus, vous esquivez. Parce que soit vous allez esquiver ses coups d'épée qui font très mal, soit vous allez esquiver son explosion comme il vient de mettre là. Je pense que cette spé intelligence peut facilement rivaliser avec la spé intelligence du voleur à l'arc que je vous avais mis sur la chaîne déjà.
Pour la bonne raison que c'est un peu pareil, en gros vous avez 3 touches. Hein. Si vous voulez, vous pouvez très bien jouer au fusil qu'avec 3 touches. Si vous faites un BG en faisant le planqué, vous pouvez jouer qu'avec 3 touches. Vous jouez avec le 1, vous jouez avec le 3 et vous jouez avec le F1. Et ça vous suffit, hein, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Franchement, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Là, ça va que je vais un peu dans la mêlée pour essayer de faire quelque chose d'à peu près sympa, quoi. Mais franchement, si vous voulez faire le planqué, vous faites le planqué. Vous allez faire des kills de taré. Vous avez vu, je peux taper à plus de 10 000 avec mon F1. Ouh là, il y a du monde. Là, je vais me suicider, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que je vais tuer le nécro? Normalement, oui. Il a plus de vie. Le F1, il va se le prendre. Tac, tac, tac. Oui, il est mort. Bon, bah moi, je vais mourir aussi, je pense. J'ai plus de vie. Ah, il se relève. Dommage. Ça aurait pu relever mon pote si je l'avais achevé. Mais j'étais un petit peu en retard. Ah oui, ils étaient 3, c'est pas la peine. 4 même, ouais. Dommage, timing était pas bon. On va dire qu'à 2 secondes près, c'est moi qui aurais achevé. J'aurais pu relever mon pote qui aurait pu tuer les autres. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, alors j'espère que ce build de guerrier ne vous aura pas trop inspiré tout de même. Parce que... c'est vite polluant quand il y a beaucoup de guerriers comme ça en BG, hein, je vous jure. Hein, ça... Vous mettez 2-3 planqués comme ça pour protéger les points d'un peu loin et ça vous suffit à tenir la partie. Donc voilà, on a gagné. Je suis pas mal mort, j'en suis désolé pour la qualité de la vidéo. Bah, en revanche, moi je me suis plutôt bien marré en faisant ces BG, surtout quand on voit des 10 000 affichés. Donc voilà, bon bah alors j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous a plu et faites partager la chaîne. Moi, ça me fait toujours plaisir et à très bientôt sur RetroLove TV. Ciao.